dernières années, qui se développe aussi à l'international. Hein, on en a discuté avec des amis suisses, canadiens, québécois, maliens, il y a quelques minutes. Et donc, quels sont aujourd'hui les leviers et les actions ou dispositifs qu'on peut chercher à mettre en place ou à promouvoir pour consolider ces usages et ces développements et les intégrer de façon la plus pertinente et efficiente possible aux attendus des référentiels, des programmes, du socle commun et des compétences du 21e siècle à développer chez nos élèves. Donc, pour répondre à ces questions de manière ferme et définitive, nous accueillons Claudio Simelli pour le ministère de l'Éducation nationale. Claudio qui dirige le NumériLab à la direction du numérique éducatif. Nous accueillons également Nathalie Revol, qui est enseignante-chercheuse INRIA et ENS de Lyon, donc qui travaille au LIP, laboratoire d'informatique du parallélisme, c'est ça, de l'ENS, proche d'ici, qui est docteur en mathématiques appliquées et qui avait une activité importante de diffusion de la recherche sur des concepts informatiques, sur l'informatique débranchée, et en particulier à travers la maison des mathématiques et de l'informatique de l'ENS de Lyon. Nous avons également Sandrine Chex, conseillère spéciale déléguée au handicap du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et qui porte le déploiement notamment du robot lycéen en Auvergne-Rhône-Alpes pour les élèves empêchés handicapés. Damien Bertillier, adjoint à l'éducation et aux universités de la ville de Villeurbanne, président par ailleurs du réseau français des villes éducatrices. Et pour le monde de l'entreprise et les filières des EdTech, nous avons Patrice Hulès, qui est dirigeant d'Isitis, par ailleurs administrateur de l'AFINEF et aujourd'hui également représentant des groupes de travail numériques 10 et 1. Donc le 1, c'est objets connectés, nouveaux espaces d'apprentissage. On a déjà eu l'occasion de vous en dire quelques mots. Et le 10, c'est un autre groupe de travail numérique qui travaille sur justement cette question du passage à l'échelle, pas spécifiquement de la robotique, mais autour du numérique éducatif dans son ensemble. Et Vanessa Mazari, qui est responsable éducation de Génération Robot et par ailleurs représentante aujourd'hui du cluster EdTech qui s'est mis en place en Nouvelle-Aquitaine au printemps dernier. Voilà, donc nous avons du coup une diversité de profils du ministère, de la recherche, des entreprises, des collectivités. Alors je vais vous donner la parole à chacun pour vous présenter rapidement et nous expliquer en quoi la robotique éducative fait partie de vos activités ou vous intéresse ou comment vous l'accompagnez aujourd'hui. Et puis après, on aura différentes questions sur effectivement les leviers, les accompagnements, les financements et comment essayer de construire un écosystème favorable au développement de la robotique éducative. Madame Chex, je vous donne la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, modestement, parce que moi, je n'ai pas du tout le niveau et le savoir que vous pouvez avoir sur la robotique ou la science. Simplement, en tant qu'élu, vous présentez le projet que nous avons développé, le robot de téléprésence. Donc, une expérimentation qui a duré, je crois, 3 ans. Et lorsque nous avons été élus, on a trouvé donc ce robot qui était un peu en stand-by, on va dire, et notamment Isabelle Besson, qui avait en charge au niveau de la région dans les services ce projet, est venue me le présenter en disant « Madame Chex, vous venez d'être élue, mais il y a un super projet, certes c'est dans les cartons, certes c'est de l'ancienne équipe, mais vraiment ça mériterait, il y a vraiment eu un engouement de tous les acteurs pour développer ce robot de téléprésence, il faut vraiment que vous le voyez ». Donc on est allé le voir, on a rencontré les différents acteurs, notamment l'IFE qui s'était beaucoup investi, et puis fort de tous les témoignages et des retours aussi, et des rapports scientifiques qui avaient été
portée sur ce sujet, nous avons pris la décision donc de passer de l'expérimentation au déploiement et nous avons voté un budget d'1 200 000 euros qui nous permet l'acquisition d'à peu près 80 robots. Aujourd'hui, il y en a 57 qui sont déployés sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un partenariat que nous avons souhaité réaliser de manière très concrète avec les autorités académiques. De manière à ce que la place du robot dans les lycées, puisque c'est la compétence de la région, donc les lycées, puisque le robot est proposé aux lycéens en pêcher, il était important que ce robot soit accepté par les professionnels de l'éducation nationale, par les enseignants, mais aussi par l'ensemble des équipes, et notamment que ce soit reconnu comme étant un outil complémentaire pour, par exemple, les SAPAD, mais que ce ne soit pas un gadget et que ça réponde vraiment à un cahier des charges étudié, construit collectivement pour que ce soit un vrai outil au service des élèves en respectant la place de chacun et en respectant, comme je le disais hier à l'ouverture, le volet humain qui, de notre point de vue, doit toujours rester derrière... derrière les robots. Tu mets, alors avec le robot téléprésent, c'est plus facile parce qu'on est vraiment humainement dans l'écran. Mais en tout cas, d'être vigilant à ce que la robotique ne se substitue pas à l'humain, mais soit bien un outil, en tout cas c'est mon point de vue, un outil complémentaire à l'échelle de tout ce qu'il est possible de faire. Donc voilà l'expérience que nous avons mise en place depuis la rentrée. Donc tous les lycées d'Auvergne-Rhône-Alpes sont susceptibles de solliciter la présence du robot. Techniquement, et après j'arrête juste comment, pour vous expliquer comment ça fonctionne, donc l'élève empêché qui se retrouve soit chez lui, soit à l'hôpital en rééducation, nous lui confions donc un ordinateur portable. Avec cet ordinateur portable, il se connecte sur le robot, qui est un robot de téléprésence mobile, et peut donc être en direct de la classe via une connexion 4G, suivre les cours et également garder le lien avec les camarades et avec éventuellement les activités annexes, que ce soit la bibliothèque, la cour ou même la cantine. L'avantage, c'est qu'il ne pique pas dans l'assiette des autres. Mais ça, ce lien humain, on a constaté qu'au-delà de l'apprentissage, ce lien humain avait une vertu presque thérapeutique. On peut dire en tout cas qu'il facilitait la guérison lorsque c'était une maladie, ou en tout cas le retour dans la classe. Et surtout, ça permettait de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture, et parfois de faire en sorte, comme ça s'est fait au lycée d'automne, de permettre à un élève de réussir son bac alors qu'il a été très 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 souvent absent, voilà, malheureusement. Donc voilà, un projet clé en main, financé totalement par la région, avec tout le matériel clé 4G, etc. Et je pense que si on veut que ça fonctionne, il faut que ce soit clé en main aussi. Il faut essayer de lever un maximum de freins et de contraintes pour l'utilisateur. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait ce choix-là. Maintenant, on aurait pu monter le projet avec des financeurs autres, mais quand on maîtrise tout, ça va plus vite et on est un peu plus efficace. Voilà, merci. On continue comme ça. Oui. Alors, quelques mots, je reviendrai tout à l'heure sur les enjeux gouvernance que je vais quand même un petit peu aborder là. Simplement dire que resituer la politique de la robotique des collectivités plutôt communes et je dirais peut-être départements aussi pour englober écoles et collèges, puisqu'on a parlé des lycées. On ne peut pas parler de la politique de la robotique éducative, évidemment, sans parler d'une politique globale du numérique éducatif. Et c'est sans doute ça aujourd'hui qui est interrogé, qui nécessite de bien repréciser. Les collectivités, elles n'ont pas l'échelle d'une grande région comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, et du coup on se retrouve avec des choses qui sont assez diverses finalement. Sur un même territoire, on peut avoir des fonctionnements assez divers. Il faut savoir qu'aujourd'hui dans des écoles primaires, on a simplement parfois pas la base, c'est-à-dire pas le réseau du tout, quasiment pas. Il y a encore des collèges dans la métropole qui ont des niveaux de réseau qui sont bien inférieurs à ce que vous avez chez vous, et donc il y a tout ce travail déjà d'infrastructure
qui fait encore défaut. Après, on a des couches niveau 1, que je dirais vidéoprojecteur interactif, enfin des choses aujourd'hui pour lesquelles bon, c'est difficile de se passer maintenant pour l'enseignement, sauf qu'on se retrouve encore aujourd'hui avec des enseignants qui vont vivre une expérience de classe avec un vidéoprojecteur interactif pendant plusieurs années, qui vont se retrouver dans une école qui n'est pas du tout équipée. On a les tablettes, on a travaillé de plus en plus avec notamment le plan numérique pour l'éducation. Et la robotique est arrivée un peu après, mais comme pour tout le monde, mais en tout cas dans ce cheminement-là, est arrivée évidemment aujourd'hui plutôt qu'à titre expérimental. Sur le robot présentiel, sur la métropole de Lyon, il n'y a quasiment pas ou pas d'expérience en collège. En école, c'est vraiment très... Il y a quelques expériences au niveau français, mais on a peu dans les écoles primaires, alors qu'on voit bien qu'il y a un vrai enjeu. Enfin, tout ce qui a été fait par la région montre bien à quel point c'est un bénéfice important. Donc si on pouvait avoir dès le plus jeune âge cet accès-là, ça serait très intéressant. On le développe aussi, et c'est beaucoup arrivé avec les nouveaux programmes sur le codage, mais plus par des opportunités, par des demandes. Je citais l'expérience que vous avez dû voir ce matin, je crois, de Rawat Chaker, qui est faite sur Villeurbanne. Deuxième pub hein, pour depuis hier, parce que j'ai eu le droit de parler deux fois d'une expérience locale. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la rencontre d'un projet universitaire avec un projet de circonscription, et puis la collectivité finalement arrive ensuite. Quoi, voilà. On peut avoir à l'inverse la volonté d'expérimenter des choses, mais ce qui manque, et c'est juste la transition avec la deuxième partie, c'est les lieux finalement pour parler de gouvernance. Il y a un comité des partenaires qui existe au niveau national, hein, piloté par l'ADNE, et c'est ce qui manque aujourd'hui à l'échelle territoriale. Je ne parle pas de l'Académie de Lyon particulièrement, hein, je parle de toutes les académies en France, un lieu dans lequel tous les acteurs se retrouvent. Alors une journée comme aujourd'hui est formidable parce qu'on est entre gens convaincus. L'intérêt, c'est de voir comment il y a encore insuffisamment d'élus qui sont conscients de ces enjeux-là. Comment l'impulsion qui doit venir quand même, je pense toujours de l'État, de ce point de vue-là, vis-à-vis en tout cas des élus locaux, elle est faite pour qu'on se retrouve ensemble et qu'on travaille avec tous les acteurs qui sont là, universitaires. Je souligne encore le travail, le rôle absolument essentiel de l'IFE, notamment si on veut travailler aussi sur l'évaluation dans le même temps, ce qui a souvent manqué d'ailleurs dans les expériences qu'on a menées, je pense notamment aux tablettes, et puis les acteurs privés, parce qu'on sait que parfois, souvent, quand on a expérimenté quelque chose, j'ai l'exemple en tête du collège Rameau à Champagne-au-Mont-d'Or, sur lequel il y a eu des partenariats publics-privés extrêmement intéressants et qui ont permis de faire bouger des lignes, y compris au sein de l'établissement. Quoi, voilà. Mais après, c'est comment on passe à l'échelle et comment aussi, surtout, on a la vigilance que c'est tout ce qui va être fait soit au bénéfice de ceux qui en ont le plus besoin, quoi, voilà. Et donc des publics les plus en difficulté. D'où le rôle de la gouvernance et du politique. Pardon. Bonjour. Alors moi, je représente la société Génération Robot. Donc nous, on est distributeurs de robots éducatifs. Donc ce soit au niveau maternel, primaire, collège, jusqu'aux universités. Au-delà de ça, on a très très souvent, on est en contact avec beaucoup d'enseignants, beaucoup de conseillers pédagogiques. Ça nous permet d'avoir vraiment un retour direct, des témoignages sur les utilisations des robots et de la robotique en classe. Donc on a une grosse banque de données de témoignages. On parle très souvent avec des enseignants et ce qui nous permet de connaître aujourd'hui quels peuvent être les freins ou les obstacles, par exemple, au déploiement de la robotique dans des classes. Ça nous permet aussi de mieux accompagner les enseignants. Donc très souvent, on nous dit que quelque chose de très important, c'est tout ce qui est contenu pédagogique. Parfois, les profs ne savent pas où les trouver. Parfois, les enseignants, ne savent pas à qui s'adresser. Ils ont dit, par exemple, ils aimeraient se former ou ils ont besoin de tel ou tel renseignement. Ils ne savent pas forcément vers qui se tourner, vers quel acteur se tourner, alors que cet acteur existe et cet acteur ne sait pas forcément de son côté comment se mettre en contact avec des enseignants. Donc c'est dans cette optique, il y a par exemple le cluster EdTech Aquitaine qui donc s'est créé très récemment, dont l'objectif c'est un consortium de chercheurs, d'enseignants, d'entreprises du privé aussi, et qui vont permettre de créer vraiment une mutualisation, une entraide
autant au niveau des entreprises que au niveau des acteurs de l'éducation pour que chacun y trouve son compte. Si, par exemple, un enseignant dit « oui, j'ai besoin de ça, à qui m'adresser ?» Avec le cluster EdTech, en fait, il va trouver sa réponse. Ça permet de mettre en relation des personnes qui vont s'entraider et qui, sans ce cluster, ne se connaîtraient pas peut-être forcément. Après, au-delà de ça, nous, on est impliqués dans plusieurs projets donc en robotique pédagogique, comme le projet IFRAN Persévérons, dans lesquels c'est un projet qui va permettre de mesurer l'impact de la robotique dans les écoles. On est aussi partenaire de Popistation et on est impliqué dans la RoboCup, le RoboCup qui se tiendra d'ailleurs à Bordeaux en 2020. Voilà. Eh ben bonjour, je vais me lever, moi. Voilà, hein, parce que je suis plus à l'aise debout qu'assis. Donc, tout simplement, en fait, au niveau de la DNE, il existe une mission qui s'appelle la MIPN, qui est la mission d'incubation des projets numériques. Or, bon, incubation, ce n'est pas à voir au sens, entre guillemets, des entreprises, hein, c'est-à-dire on ne fait pas de l'accélération d'entreprise ou ce genre de choses, non. Ce qu'on essaye de faire, c'est de la veille, de la prospective et de la mise en place de relations avec la recherche sur des projets qui s'appuient essentiellement sur les territoires et donc sur nos collègues et relais qui sont les délégués académiques au numérique et aussi en fait la recherche sur les territoires. Donc il y a quelques années, je vais faire une petite histoire rapide, on a détecté un certain nombre de signaux faibles, ça vient des dispositifs de veille, qui portaient essentiellement sur un certain nombre de domaines du numérique. Dans ces domaines-là, il y avait effectivement le domaine des objets connectés et de la robotique. Et donc, c'est pour ça qu'on a souhaité travailler sur ce domaine-là au travers de groupes thématiques numériques, mais on a aussi détecté d'autres signaux faibles qui sont devenus aujourd'hui des signaux forts, comme l'intelligence artificielle, ou comme, entre guillemets, le traitement de données massives, ou comme l'immersion, ou comme la blockchain. Je peux en citer un certain nombre sur lesquels nous avons des groupes thématiques numériques. L'un des objets de ces groupes thématiques numériques, c'est justement de faire ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire de mettre en œuvre les conditions pour rassembler les acteurs, non seulement de l'écosystème, mais également les acteurs qui font partie de la recherche, qui souvent ne sont pas toujours complètement dans l'écosystème, et en fait ça en relation avec les territoires, pour qu'on puisse justement évoquer ces sujets, qui sont pour beaucoup des sujets soit d'expérimentation, soit de recherche, et donc essayer de mettre en œuvre la territorialisation de la découverte de ces éléments, quand en fait ils passent de signaux faibles à signaux un petit peu plus forts, et qu'ils viennent ou qu'ils passent devant des commissions, des groupes de travail, etc., qui vont être nationaux, qui vont permettre, par exemple, de fournir des fonds ou de travailler sur la façon dont, au niveau de la formation, on pourrait être amené en fait, à généraliser des formes de pratiques. Alors, un point sur lequel je vais insister, c'est que la question de la robotique, c'est une question, mais c'est une question qui doit être traitée dans la globalité. Je rejoindrai là le représentant des collectivités en disant que ce n'est pas peut-être la question de l'ensemble du numérique éducatif, mais c'est quelque chose qui doit se développer dans des thématiques qui sont un petit peu plus larges que celles de la, par exemple, robotique. Alors, je reprends un exemple. Là, une des thématiques, c'était comment est-ce qu'on peut mieux accompagner les élèves empêchés. Et donc là, on a toute la place de la robotique aujourd'hui et la façon dont ça pourra se déployer avec l'aide des collectivités. Peut-être que ce qu'on a évoqué avec le professeur Benamou, qui a dû faire l'introduction, c'est aussi, pourquoi pas, avec l'aide, je ne sais pas, de mutuelles, par exemple. Vous voyez ? Donc, quand il y a des élèves empêchés, même momentanément, on pourrait réfléchir à ça. Ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, par exemple, si je poursuis en fait, sur certains projets, on voit bien qu'il y a plusieurs dimensions qui rentrent en ligne de compte. Il y a une première dimension au niveau de la classe qui est la dimension de l'interaction, c'est-à-dire de se poser les questions de toutes les interactions possibles. Si je prends un robot, donc de voir que le robot aura avec l'élève, avec l'enseignant, et que les élèves auront, en fait, avec le robot, parce qu'il y a l'élève empêché qui est derrière la caméra, mais il y a aussi l'ensemble des autres élèves. Il y a une deuxième question qui va être celle, un petit peu, qui va permettre à l'enfant de produire, d'être créatif, en fait, en même temps que ses camarades. Donc, comment tout ça va se passer
comment est-ce que, par exemple, l'élève va participer à des formes d'évaluation et comment l'enseignant va intégrer ça dans ses pratiques évaluatives. Voilà, l'élève n'est pas là, il est empêché, il est chez lui. Mais en même temps, par exemple, quand on fait une évaluation diagnostique, il va participer à cette évaluation diagnostique. Et on voit bien que ça peut poser des questions qui sont des questions qui sont posées au pédagogue dans la construction de sa séquence. On voit bien aussi que ça peut participer à de l'individualisation. Hein, c'est-à-dire que la question, c'est, voilà, j'ai un élève empêché, je peux échanger avec lui, même à partir de ma classe, quand les autres élèves sont partis, sur des phases plus individuelles, voire le faire travailler à part sur une phase individuelle et l'accompagner. Ça pose la question de la relation aux parents, hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont accepter ça, non seulement les parents de l'enfant, mais les parents des autres enfants. Hein, et derrière, on voit bien qu'il y a encore une autre question, qui est la question de l'équipe pédagogique et éducative. C'est-à-dire, c'est bien qu'un enseignant accepte, c'est bien que deux acceptent. Le mieux, c'est quand l'ensemble accepte. Mais ça, je peux le décliner, j'ai envie de dire, je l'ai fait pour une partie, mais je peux le décliner pour les robots utilisés dans des situations d'apprentissage, les robots utilisés dans des situations de créativité, etc. Et donc, on voit bien que ça contribue à ce qu'on parle, en fait, à ce niveau-là, pour développer, pour généraliser l'utilisation de ces outils, non seulement deux projets, mais deux projets qui impliquent l'ensemble, finalement, d'un établissement ou l'ensemble de l'équipe éducative et pédagogique à partir du pilotage d'un établissement, voire qui mobilise, on va dire, un écosystème qui est un écosystème territorial. Et donc, vous l'avez bien cité, il y a des interactions entre l'accompagnement, la formation, qui sont essentielles à mettre en œuvre, avec une structuration des projets de financement. Et puis après, derrière, la question qui va être la question, entre guillemets, de l'évaluation du dispositif et de l'accompagnement du dispositif. Donc on voit bien que les conditions de la généralisation, elles sont dans la conduite de projets, qui sont des projets avec des finalités. Et là, par exemple, on a une finalité qui est très simple à décrire. Hein, et derrière, en fait, se met en ordre de bataille l'ensemble des éléments qui permettent enfin d'atteindre les objectifs du projet. J'ai envie de dire, est-ce qu'il n'est pas neutre ? Il y a aussi une question, qui est la question de l'environnement dans lequel va circuler le robot, hein, ou le robot de téléprésence, si je parle de celui-là, qui va être l'architecture. Donc, effectivement, le ministère a un projet qui s'appelle Archiclasse, mais au-delà de ça, ça veut dire qu'il y a la circulation du robot. Certains robots ne peuvent pas se mouvoir comme ils veulent au sein des établissements. Il peut y avoir, en fait, la question de l'autonomie du robot, voilà, qui est aussi importante. Il va durer combien de temps? Comment est-ce qu'on le branche? Est-ce qu'il y a de l'énergie à proximité, etc. Vous voyez, donc, c'est vraiment des projets qui sont des projets globaux, comme tout ce qui touche au numérique, hein, et qui nécessitent une approche qui est complètement globale. Merci, Claudio. Donc, je vais me présenter, puisque c'est ce qui est prévu. Donc, je suis Patrice Sulès, je suis le responsable de la société EZITIS. Alors, comment on est arrivé à créer EZITIS avec certains collègues? J'ai travaillé dans le domaine des tableaux interactifs, on en parlait juste avant. Je travaillais pour un des fabricants, une société américaine, et pendant une quinzaine d'années, on a essayé de positionner ce genre d'équipement. Alors j'avais la chance, sur les 7-8 dernières années, de faire ça sur globalement le monde entier. Donc j'étais responsable des ventes pour l'Europe, le Middle East, l'Afrique, l'Asie-Pacifique, et aussi l'Amérique du Sud. Et j'ai eu la chance de visiter des écoles dans le monde entier. Je dis vraiment la chance, hein, parce que c'est assez bluffant. Donc des écoles en Russie, les fameuses écoles de Singapour, hein, qui sont numéro un dans les tests PISA. J'en ai visité, j'ai discuté avec pas mal de ministères de l'éducation dans mes déplacements. J'étais jusqu'en Afrique du Sud, en Australie. Enfin, je ne peux pas les citer, mais c'est plusieurs dizaines de pays où j'ai eu cette chance-là. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que finalement, il y avait des pédagogies qui étaient utilisées dans la classe qui étaient un petit peu différentes. On voyait des travailler en groupe, c'était... La classe n'était pas la même que nous, on avait l'habitude de voir en France, sans dire que la nôtre est moins bien. C'était différent. Et ils commençaient déjà à utiliser des objets un peu différents. Ils n'étaient pas du tout sur le système du tableau interactif. J'ai un petit peu changé aussi ma façon de voir la classe. Je ne sais pas vendre quelque chose auquel je ne crois pas. Et je me suis rendu compte que les petits groupes, un peu ce qui se fait chez nous en maternelle, ce genre de travail était aussi utilisé dans le premier degré, même au collège. On parlait d'archiclasse, ça y contribue aussi, réorganiser la classe plus souvent dans la classe. Et j'ai vu aussi qu'ils utilisaient des objets qui n'étaient pas du tout présents en France. Donc quand il n'y a pas très longtemps, finalement, EZITIS n'a que 4 ans d'existence, il y a 5 ans, ma société américaine a été revendue. Parce que dans les sociétés américaines, ce qui est important, c'est que
Le premier produit qu'on vend, c'est la société elle-même. C'est comme ça, avant de vendre les produits. Elle était revendue à un concurrent, ça ne m'intéressait pas trop. Je me suis dit, bon, allez, on va tenter notre chance. Je suis parti avec quelques collègues. Et on a créé Zitis. Et on est arrivé à un moment particulier et on s'est lancé dans les objets connectés. Alors, juste un élément au sujet d'Zitis. J'aime pas trop parler de robotique. On parle rarement de robotique chez Zitis. On a décidé d'ailleurs d'utiliser un terme anglo-saxon, qui est un terme qui est a priori accepté dans tous les pays, qui s'appelle les STEM ou les STEAM. Alors, STEM, ce sont des lettres, hein, STEAM, pour Science, Technology, Engineering, Art et Mathématiques. Et c'est quelque chose qui englobe, au-delà de la robotique, l'usage déjà de la robotique dans des activités comme le langage, l'usage dans des activités comme les maths, mais aussi de faire des sciences. Les sciences sont super importantes. Vous êtes dans des écoles en Russie, ils ont des laboratoires, ils ont sur le toit de l'école, ils ont quelque chose pour visualiser les planètes. Ils sont bien plus en avance que nous sur ces sujets-là. Donc ça m'a un petit peu éclairé. Je me suis dit, tiens, ça devrait quand même être intéressant en France. Et on a démarré comme ça. On est peut-être arrivé au bon moment, au moment où le ministère a commencé à parler de codage. C'était peut-être une chance, mais enfin, c'était le bon timing. Et on s'est développé. Aujourd'hui, Zitis travaille avec toutes les académies françaises, globalement. On va jusqu'aux académies lointaines, comme Tahiti, les DOM-TOM et autres. On est un des acteurs impliqués dans ce domaine-là. On fait toujours une grosse activité de veille. J'essaye de continuer à voyager. J'étais en Chine il n'y a pas très longtemps, j'étais à Hong Kong. Enfin, j'essaie de continuer à voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et on est sur un domaine qui est super intéressant, qui est en cours de développement. Ce qui est intéressant aussi par rapport au système des tableaux interactifs, on parle de produits qui sont quand même beaucoup moins chers. L'accès à la solution est plus facile. On n'a pas obligatoirement besoin. Je pense que chez Zitis, 80% des solutions qu'on distribue n'ont pas besoin d'infrastructure. Je n'ai pas besoin de réseau, je n'ai pas besoin d'Internet obligatoirement. Il y a plein de choses qu'on peut faire sans ça. Donc il ne faut pas attendre d'avoir Internet ou dans l'école. Il y a très peu d'écoles en France qui ont Internet. Hein. Donc on peut faire beaucoup de choses. Voilà un petit peu pour parler d'Zitis. Donc on était là pendant 2 jours. On a apprécié la réunion. Voilà. Je parlerai après du passage à l'échelle. Je vais laisser ça pour tout à l'heure. Je vais me mettre debout aussi, je suis plus à l'aise aussi. Je suis Nathalie Revol, moi je suis chercheuse en informatique, donc je ne vais pas vous parler de mes recherches en informatique parce que ce n'est pas le lieu ici. Et je suis... Par contre, hier, Margarida a fait un sondage et il en est ressorti que les chercheurs ne sont pas pédagogues. Donc si vous ne comprenez pas, vous me faites un signe et puis je réexpliquerai s'il faut. Et je suis aussi maman. Et en tant qu'informaticienne et maman, je me suis demandé comment on pouvait enseigner l'informatique. Donc j'avais été un petit peu associée à la réflexion sur l'informatique au lycée, l'enseignement des sciences informatique au lycée, j'insiste sur le mot science. Et puis je me suis posé des questions sur comment on pouvait enseigner ça en primaire aussi. Ce qui est une chose qui m'agace un peu quand on confond systématiquement informatique avec usage ou avec citoyenneté numérique. Pour moi, enfin, ce que je voudrais voir enseigner aussi, c'est la science informatique. Voilà. Donc j'ai réfléchi sur l'enseignement de l'informatique en primaire. Et en me basant sur ce qui avait été fait pour le lycée, c'est-à-dire le découpage en 4 chapitres, j'ai proposé un curriculum pour les CM1 et CM2. Donc j'ai fait ça, je suis allée proposer mes séances à l'institutrice de mes enfants en lui disant que j'avais jamais fait, qu'elle me servait de cobaye et elle a dit banco. Voilà, parce qu'on m'avait demandé comment j'avais travaillé, ben, j'ai travaillé en accord avec elle. Et puis chacune son rôle, moi je ne sais pas tenir une classe, moi je ne sais pas faire... en tant que chercheuse j'appelle ça un débrief, je ne sais plus comment ça, on appelle ça en classe, un regroupement, c'est ça ? Voilà. C'est la même chose. On met en commun et on met au propre tout ce qu'on a vu. Voilà. Donc ça, c'était clair que c'était leur métier, parce que c'est un métier qui n'est pas le mien. Donc j'ai proposé un curriculum en CM1 et CM2 sur les 4 chapitres qui sont utilisés au lycée. Donc en CM1, j'ai proposé les chapitres algorithmiques et puis représentation des données en binaire. Et j'ai proposé ça sans ordinateur. Donc on a fait des tours de magie, on a dansé du binaire en faisant 1, 0, voilà. Et puis en CM2, je suis passée aux 2 chapitres suivants qui sont matériel et programmation. Et j'ai vu qu'ensuite, ce que j'avais proposé, toutes les idées ont été dans l'air, en quelque sorte. C'est aussi le découpage que vous avez dans la main à la pâte et le livre 1, 2, 3 codé que vous trouvez dans le couloir, si vous voulez. Voilà, c'était pas totalement farfelu, ça a été, on voit apparaître le même découpage un peu partout. Alors sur le chapitre matériel, donc on sortait du CM1 où on avait fait de l'informatique sans ordinateur, avec le corps, donc en dansant, en manipulant des choses. Et je voulais avoir une transition douce de choses sans ordinateur à des choses avec ordinateur, la programmation en fin d'année. Et j'ai choisi les robots. Donc hier, quelqu'un a dit,
on construit des activités parce qu'on a des robots. Là, c'est l'inverse. J'ai choisi les robots parce que ça s'intégrait dans la continuité que je voulais mettre en place. Et donc, les robots que j'ai choisis, c'est ceux qui sont là, mais un peu tous les prédécesseurs auraient pu en parler. Des bibottes et des timios. Voilà. Hein ? Donc, oui, j'ai la vieille version du bibotte. On va essayer d'en racheter si on peut. Donc, j'ai commencé par le bibotte parce que ça me permettait de passer du monde réel au monde plus virtuel où on finira par faire des choses sur un écran. Et en fait, avant d'attaquer avec les bibottes, avec les enfants, on a dessiné un quadrillage dans la cour et c'était les enfants qui jouaient le rôle du petit robot jaune, là. Et un autre enfant leur dictait le programme et ils devaient exécuter. Donc le langage de programmation, c'est un pas en avant, un pas en arrière. Je tourne à droite et je tourne à gauche. Okay, c'est très simple. Donc c'était les enfants qui exécutaient le programme et un autre enfant qui dictait. Alors qu'est-ce qu'on a pu voir comme notion informatique grâce à ce bibotte ? On a pu voir les séquences d'instructions. Donc je fais un pas, puis je fais un pas, je fais un pas. On a pu voir qu'il n'y avait pas de boucle. Et au lieu de dire 5 fois... je fais un pas en avant, ça serait bien de dire répéter 5 fois, je fais un pas en avant. Donc on peut causer de langage de programmation, et puis on peut se rendre compte qu'en fait, ils sont tous aussi expressifs, ils sont plus ou moins confortables pour l'humain, mais c'est tout aussi expressif. Donc ça, c'est une conjecture qu'on a en informatique, qu'ils sont tous aussi expressifs. Donc on peut toucher du doigt ce genre de choses en CM2. J'avais introduit exprès des bugs dans les programmes, donc ils rentraient dans ils devaient sortir des labyrinthes, je les ai rentrés dans les murs. Donc on peut parler de bug et où est l'erreur ? Ce n'est pas le robot qui s'est trompé, ce n'est pas celui qui lit qui s'est trompé. L'erreur, elle est dans le programme, elle est encore ailleurs. Et quand on parle... Et puis après, je vous ai dit qu'on peut regarder plusieurs langages de programmation, on peut regarder la traduction d'un langage dans un autre. Ça s'appelle la compilation. Donc on peut parler de notions informatiques qui commencent à être compliquées. Et puis en parlant de bug et de compilation, on peut parler un peu d'histoire d'informatique. Parce que la personne qui a popularisé l'utilisation du mot bug, c'est aussi la personne qui a inventé la compilation, c'est Grace Hopper. Donc en plus, on peut montrer une figure de femme en informatique. Voilà. Donc là, je touche un peu toutes les choses qui me tiennent à cœur. Voilà. La séance suivante, on a fait la même chose, les mêmes programmes, sauf qu'on avait un quadrillage des tapis. Donc pareil, vous voyez les tapis dans le couloir. Et c'est le petit robot jaune qui a effectué les programmes qu'on avait. Donc là, c'était plus les enfants, c'était les robots. Et ensuite, les enfants ont programmé eux-mêmes les robots pour qu'ils sortent d'un autre labyrinthe, par exemple. Et ensuite, je suis passée à quelque chose qui me paraissait plus abstrait. Donc, on est passé au robot Timio. Donc, c'est les petites boîtes blanches, là. Et donc, je l'ai donné comme ça aux enfants, en leur disant, qu'est-ce que ça fait ? Comment ça s'allume ? Voilà. Donc, on le tourne dans tous les sens, on appuie un peu partout. Et donc les enfants ont fini par trouver comment ça s'allume, comment ça s'éteint, ils se sont rendus compte. Il y a un bouton rond au milieu, mais il va faire du bruit si on appuie 4 secondes dessus, le bouton rond dessus, là, entre les 4 flèches. Voilà, comme vous voulez. Donc ils se sont débrouillés avec ça, et puis on leur a donné... Donc j'ai suivi les séquences qui sont proposées sur InniRobo. Donc ensuite, on a une sorte de cahier de laboratoire et on voit que chaque fois qu'il est allumé en vert, il se comporte de la même façon. Chaque fois qu'il est allumé en rouge, il se comporte de la même façon. Et là, j'avais l'impression d'enseigner de la science tout court. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de magie, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On tient un cahier de laboratoire. Donc là, on était vraiment dans la partie science. La séance d'après, on a regardé les choses d'un peu plus près. Donc on a vu qu'il y avait des capteurs et à quoi ils servaient. Et puis on a commencé à programmer en VPL. Et là, certains parlaient d'individualisation. Ceux qui étaient plus avancés, qui comprenaient plus de choses, on est passé à Dieu. Alors, comment il s'appelle, l'autre VPL avancé, c'est ça ? Celui où il y a les états. Donc, les quelques binômes qui allaient plus vite, eh ben, je pouvais leur parler de choses plus avancées. Et les autres restaient étaient sur du VPL. Et là aussi, on travaillait. Les notions qu'on travaillait, c'était le test, programmation événementielle. Et ça, c'est le test, la boucle, c'est des choses qu'on avait vues en algorithmique l'année d'avant. Donc, on pouvait rappeler ce qu'on avait déjà vu. Et la dernière séance, alors j'ai fait ça en toute bonne foi, j'ignorais que quand il est éclairé en bleu clair, il est programmé pour suivre une ligne noire au sol. Donc j'avais des affiches de cinéma, j'ai peint des circuits à la peinture noire, et les enfants ont programmé le Timio pour qu'il aille suivre la ligne noire au sol. Et alors on parlait de l'architecture de l'école, là j'avais droit à toutes les salles que je voulais dans l'école, donc j'avais la salle informatique pour programmer, j'avais la salle de musique et danse, où on a observé le Timio, donc on a fait de la science couchée par terre, pour être à la hauteur.
Et puis, on a utilisé la salle de danse aussi pour mettre les circuits pour le timio. Et les enfants, donc, ils programmaient leur timio, ils le posaient. Et là, et c'est erreur, on voit tout de suite comment ça marche. On voit que le timio ne fait pas ce qu'on espérait. On comprend ce qui cloche. Et on repart en courant, mais vraiment en courant, dans la salle informatique de l'autre côté du couloir pour corriger. Et là, l'enseignante m'a dit que quand ils font leur multiplication à trois chiffres et que ce n'est pas correct, ils ne courent pas à leur bureau pour corriger. Et oui, voilà. Sur les choses qu'on avait. Et pour alors dans ce que j'ai regardé et ce qui m'intéressait moi, c'était de regarder quelles notions informatiques on pouvait développer. Tout ce qui a été dit ici sur les notions de collaboration, de créativité, je l'ai observé évidemment, d'accord. Et ce que je voulais voir, c'était enfin les conclusions que j'en ai tirées du côté scientifique, c'était qu'on peut développer la pensée scientifique, pas que informatique. Donc c'est le contraire de la pensée magique. C'est quand je fais un truc, il se passe ça. Pourquoi ? Alors au début, on me dit, c'est comme ça. Donc ça, ce n'est pas une réponse qui me va. Donc je creuse. Voilà. Comprendre aussi qu'on peut contrôler ce genre d'objet. Donc on peut contrôler beaucoup d'objets. En fait, ils sont programmés. Et on peut contrôler ce qu'ils font. Quelqu'un a choisi le comportement de l'objet. Et puis côté informatique, ben, s'initier à la programmation avec les notions de séquence, de boucle, de test, de langage, de programmation, de compilation, c'est, je vous l'ai dit. Alors, est-ce que ces activités ont été reprises ? Oui et non. Oui, sur les activités débranchées, parce qu'il n'y a pas de matériel et les enseignantes se sentent à l'aise. Partiellement sur la partie qui était après, qui était programmation en Scratch. Donc, elle n'a pas pris en classe entière. Parce qu'en classe entière, moi, j'avais donné des projets assez larges pour que chaque binôme fasse ce qu'il veut. Et c'est assez épuisant à suivre parce que chaque fois que vous changez de binôme, il faut changer de programme. Enfin, vous voyez un autre programme devant vous. Donc la gymnastique mentale, elle est fatigante finalement. Donc elle l'a mis en atelier en fond de classe, voilà, par petits groupes, pas par classe entière. Et puis non pour ce qui est la partie robot, parce que peut-être que j'aurais dû leur faire une formation à elle avant d'aller en classe. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, vos différentes interventions nous confirment dans des choses qui ont déjà été dites, hein, qu'il ne s'agit pas de faire de la robotique pour faire de la robotique, d'utiliser des robots pour faire des robots, mais qu'il y a des apports majeurs pour les apprentissages, alors soit disciplinaires, interdisciplinaires, transversaux, et que ça peut être effectivement un support, un artefact, un levier majeur pour les STEAM, dont on parle peut-être un peu moins en France qu'ailleurs, mais ça vient. Alors, ça m'inspire une question peut-être un peu provocatrice, mais pour introduire cette réflexion sur le passage à l'échelle. Finalement, faut-il encore parler de robots et de robotique pédagogique éducative ? Est-ce que on voit bien qu'il y a des représentations sociales qui sont alors parmi nous plutôt favorables aux robots, mais dans d'autres communautés, dans d'autres cercles, qui peuvent aussi être un frein. Donc, faut-il encore parler de robots, de robotique et de robots pour l'éducation? Et au-delà de ça, effectivement, la question des dispositifs de sensibilisation, d'accompagnement, d'équipement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque? Où sont les trous dans la raquette? Et y a-t-il des idées en germe, soit du côté des animateurs de la filière EdTech, soit du côté du ministère? Et du côté des collectivités, je dirais, qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous semblerait le plus urgent et nécessaire? Vous l'avez un petit peu évoqué déjà, à travers les questions de gouvernance, de partenariat, de co-construction. Mais qu'est-ce qui vous semblerait le plus urgent pour avancer? Je ne sais pas qui, Patrice, peut-être ou... Donc, robotique ou pas robotique, je ne pense pas que ce soit le sujet aujourd'hui. Nous, on a décidé d'utiliser le terme STEM, mais on parle plutôt de compétences en réalité. Qu'est-ce qu'on veut pour nos gamins? Qu'est-ce qu'on veut leur apprendre? Où on veut aller? On veut les amener dans 15 ans, dans 20 ans, pour ces fameux nouveaux métiers qui n'existent pas aujourd'hui? Je pense que la robotique en fait partie, donc il ne faut pas ne pas en parler, mais il ne faut pas la laisser seule dans son coin. Il faut l'associer à plein d'autres choses, Après, je vais rentrer directement dans le sujet du passage à l'échelle. Je pense que dans cette salle, il y a toutes les compétences. Elles sont là, elles existent dans les académies, elles existent partout. On a vraiment en France des compétences nécessaires pour ce sujet-là, pour le sujet de la robotique et des STEM. Je pense qu'on aura un passage à l'échelle assez simple sur le secondaire, dans les lycées,
qui ont des équipes quand même assez, voilà, qui ont en charge le financement, puisque au-delà des compétences de formation, des compétences d'usage du produit, d'usage pédagogique, il y a le problème du financement. Même si ce n'est pas cher, il faut quand même l'acheter. Je me rends compte que donc, le secondaire, je n'ai pas trop de soucis. Les équipes de lycée, les équipes des régions, des départements, bon, il n'y a pas trop de soucis. Dans les mairies, bon là, on a un contre-exemple. Quoi. On est avec une personne qui est hyper engagée. Mais si on fait le point sur la France, nous, on se déplace beaucoup. On voit beaucoup de monde. J'ai fait le ruralitique. Enfin, on essaye on rencontre des enseignants qui sont dans leur classe. La plupart ne sont même pas au courant que ça existe. Soyons concrets. Ici, on est un petit club, un petit comité entre nous. La question, c'est comment arriver à ce que l'enseignant, dans sa petite classe, dans sa maternelle, dans Seine-Saint-Denis, elle ait conscience qu'il y a des outils qui peuvent l'aider à faire ça. Et après, comment arriver à ce que la mairie qui est en charge du financement, c'est une décision, voilà, elle soit consciente qu'elle a cette responsabilité. Dans la plupart des cas, elles ne le savent même pas. C'est-à-dire qu'elles ne sont même pas au courant qu'elles sont en charge de... Voilà. Alors encore une fois, on a un exemple, un contre-exemple ici. On a des bonnes mairies. Souvent, c'est un effet d'échelle aussi ou de motivation de certaines personnes dans la mairie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, sur le premier degré, on n'y arrivera pas. Voilà, je vais être direct. En France, on restera à discuter entre nous en club et ça ne se développera pas comme rien ne s'est développé jusque-là dans le premier degré. Soyons honnêtes entre nous. Sur ce genre de choses, d'équipement, les tableaux interactifs, on a démarré il y a 20 ans. L'Angleterre est complètement équipée depuis à peu près 10 ans. On est encore en train de parler de classes qui ne sont pas équipées. La plupart ne sont pas équipées d'ailleurs. C'est la France, c'est propre à la France. Je travaille toujours sur l'étranger. J'ai des collègues qui ont le même genre de société. Les mairies, enfin les écoles sont souvent financées par les régions. Donc là, on a un plan d'investissement global, alors qui est décidé. Hein, c'est pas, faut pas acheter du matériel pour acheter du matériel. Ou alors, c'est l'école elle-même qui est une vraie entité juridique qui est capable d'acheter. Et là, la personne concernée a le budget et sait le dépenser. Alors, je voulais juste lancer le débat là-dessus parce que c'est ce que je pense fondamentalement. Je pense qu'en France, si rien ne change, on n'y arrivera pas. Voilà. On pourra refaire cette réunion pendant une dizaine d'années. On augmentera un petit peu le nombre d'acteurs, le nombre de participants, mais on ne passera pas à l'échelle. Voilà. Je ne peux pas dire plus. Non, je vais être bref. Je vais appuyer ce que vient de dire Patrice. Moi, j'ai eu l'occasion, donc je parle avec beaucoup d'enseignants, et il y a beaucoup d'enseignants qui m'ont dit ben, « Moi, j'ai un robot dans ma classe, je l'ai acheté avec mon argent. » Parce que on n'a pas de budget, et c'est très vrai, surtout pour le premier degré. Mon établissement ne veut pas débloquer l'argent pour acheter un robot. Moi, je trouve que c'est intéressant. On sait tous, ça prend beaucoup de choses aux élèves. Et je voulais vraiment un robot, je l'ai acheté avec, avec mes propres sous. Donc, au risque de paraître très terre-à-terre, je pense qu'effectivement, une des clés, un des éléments pour le passage à l'échelle, c'est le financement et le budget. Moi, je crois qu'il y a, enfin, pour avoir vécu, le déploiement pour le coup des robots, je crois que c'est difficile de passer de l'expérimentation au déploiement, parce qu'à un moment donné, l'expérimentation, il y a un côté très communication. On peut dire, regardez, voilà, on est sur tel projet, on fait des conférences de presse, des communiqués de presse, on fait des photos, etc. Mais on est dans une échelle où on est animateur, porteur, novateur, etc. Après, comment est-ce qu'on passe et quelle est la difficulté qu'on peut avoir de passer de l'expérimentation du novateur à dire à un moment donné, bon, c'est un outil. Et je remercie notamment l'IFE, mais tous les acteurs qui ont vraiment fait un gros travail d'identification des freins, des atouts, etc. Et ça a permis aussi de faire en sorte que toute la communauté qui avait participé à ce projet se dise c'est vraiment dommage parce que cette expérimentation, elle répond vraiment à un besoin. Mais après, on a tendance aussi à se dire mais c'était une expérimentation. Enfin, on s'est posé la question à la région de dire bon, l'expérimentation, elle date d'il y a 3-4 ans. Est-ce qu'on va se lancer dans ce robot ou finalement maintenant, pourquoi il faudrait pas des bras et pourquoi on mettrait pas un scanner parce que ce serait mieux du coup si l'élève empêché peut en même temps avoir les documents, que ça imprime, etc. Et on est toujours en train de rechercher, enfin, de mon point de vue, on a un côté recherche du toujours plus, du toujours mieux. Et en termes d'innovation technologique, on sait que chaque jour qui passe, il y a des choses nouvelles. Et si à un moment donné, on ne prend pas une décision de dire, tel outil, il répond déjà à tel besoin, faisons avec.
on est toujours dans la course à l'échalote et finalement, bah, on attend toujours l'outil le plus performant pour le développer. Et c'est vrai que comme ça représente un investissement important, on se dit, bah, bon, donc on s'est posé la question, hein, 1,2 million, c'est quand même pas rien, même si c'est de l'investissement, que c'est un peu plus facile pour les collectivités l'investissement que le fonctionnement. On se dit, bon, bah, voilà, mais est-ce qu'on achète les robots maintenant ou est-ce qu'on essaye de voir avec le fabricant si on peut pas le faire améliorer, mais si on peut rester 107 ans comme ça. Donc à un moment donné, je crois qu'il faut se fixer aussi et de dire, bon ben, arrêtons de vouloir un outil qui répond à tout, prenons l'outil avec ce à quoi il répond et déployons et ensuite on verra. Ça, c'est, de mon point de vue, c'est une difficulté. Après, c'est vrai aussi qu'il y a des freins, on l'a vu dans le cadre de l'expérimentation, c'était pas facile pour tous les enseignants d'ouvrir leur classe à un robot. Maintenant, le fait d'avoir été accompagné par l'Éducation nationale, par l'IFE, par des proviseurs investis, ce travail-là en amont dans l'expérimentation, ça n'a pas été qu'une expérimentation technique. Et c'est, je crois, la richesse de ce robot téléprésence. Et c'est ce qui nous a permis de pouvoir le déployer, c'est que le travail avait été fait en amont, en parallèle de l'amélioration technique, pour qu'il y ait une acceptabilité et une vraie, un vrai usage vu comme étant un précurseur au déploiement. Et je pense que c'est ce travail-là en parallèle qui a fait la réussite, en tout cas qui nous a permis, nous, de mettre en place le robot. Parce que si on fait que de la recherche technologique sur un outil et qu'après, à un moment donné, on dit « Coucou, on a un outil, est-ce que ça vous intéresse ? Voilà ce que ça coûte, etc. » Et bien finalement, on a en réponse que ceux qui sont investis, que ceux qui y croient, quitte à aller, comme vous le disiez, acheter avec le sou des écoles ou avec leur propre argent l'outil. Si on veut que ce soit, qu'il y ait un vrai passage à l'acte de manière généralisée, il faut que, en même temps que la mise en place de l'outil, il y ait ce partage d'expérience et que chacun puisse se l'approprier comme étant non pas un truc qui arrive de nulle part avec une expérimentation, un gadget, et ça, à ce moment-là, on ne se l'approprie pas comme un outil à part entière. Et je crois que la richesse de tout le travail que vous avez aussi accompagné et que vous continuerez d'accompagner, puisque nous avons sollicité l'IFE pour continuer à nous accompagner sur le déploiement, pour justement voir aussi quelle est la réalité de ce déploiement et de l'acceptation aussi, à la fois par les enseignants et les élèves. Mais si ce n'est pas fait en même temps, je pense qu'on n'y arrivera pas, parce qu'il y a une telle diversité d'outils aujourd'hui. Alors là, on parle, pour ma part, de robots téléprésence, mais vous parliez d'outils robotiques pour l'apprentissage, etc. Mais si c'est pour qu'on ait des tas de catalogues avec... tout à l'heure, je voyais le robot, comment il s'appelle, le petit robot qui est trop mignon, là. Voilà. Buggy, voilà. Je veux dire, à un moment donné, on voit, il y a de la communication autour de ce projet-là. Mais comment est-ce que de cette communication, de cette image positive et de l'intérêt que l'on voit tout de suite quand on nous explique à quel besoin ça peut répondre, comment est-ce qu'on va dire à un moment donné à des services d'aide à domicile ou à des enseignants, dire, bah voilà, il y a le robot Buggy, tu veux l'adopter, pas l'adopter, ça coûte tant. Et après, comment on fait avec ? Alors qu'avec le robot de téléprésence, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, ça a été cheminé en même temps. Et je crois que, de mon point de vue, si on veut pouvoir concrétiser l'entrée de la robotique dans les établissements, il faut que ce soit fait avec les enseignants, au même titre que vous l'avez fait aussi avec l'hôpital. L'hôpital a ouvert ses portes aux robots de téléprésence parce qu'ils ont été associés dès le départ à l'expérimentation. Je ne suis pas sûre que si vous allez voir un hôpital aujourd'hui en disant « Coucou, voilà, on a un robot, c'est super bien », à mon avis, ils vont dire, bah écoutez, non, voilà, ça ne nous intéresse pas. Et chacun, alors après c'est un politique qui dit ça, mais je pense que vous ne me contredirez pas, mais chacun a envie d'avoir son propre jouet et de dire que c'est son robot, c'est lui qui a porté l'expérimentation, de faire une communication politique au sens large si c'est un établissement qui l'a porté. On n'a pas forcément envie de s'approprier l'outil, l'expérimentation de quelqu'un d'autre. Et je suis persuadée que dans d'autres régions ou dans d'autres départements, d'autres réfléchissent à des robots de téléprésence, mais peut-être qu'ils voudraient faire leur propre truc avec le scanner ou je ne sais pas quoi. Et il y a aussi ça, cette recherche de...
l'expérimentation et ce côté innovant qui est un peu trop superficiel peut-être, et peut-être qu'il faut avoir un outil peut-être un peu plus basique, mais qui a toute sa place et qui soit accepté comme tel, quoi. Moi, je me méfie toujours de ça. Ça aurait pu être l'écueil que nous aurions pu avoir à la région, considérant que c'est l'ancienne équipe qui avait lancé l'expérimentation. Vous le savez comme moi, les politiques, à quel que soit le niveau, dès lors où ce n'est pas eux qui l'ont lancé, parfois, on détricote une autre politique parce que du coup, elle nous appartient. Voilà. Je crois qu'à un moment donné, on est dans une situation dans notre pays, y compris avec les difficultés financières que nous pouvons avoir, où il faut avoir cette intelligence aussi d'assurer la continuité des projets et de faire en sorte que ce soit efficient et une réalité plutôt que d'être sans arrêt dans la réflexion, l'innovation. Voilà. Enfin, c'est mon point de vue. Merci. Pour peut-être rebondir sur ce que vous avez dit, là, premier degré, second degré, je vais partir de votre pessimisme que je partage en partie pour arriver vers l'optimisme quand même qui me semble être ce vers quoi on peut aller. Pourquoi ? Mais j'espère bien. On est entre nous, donc on peut se parler franchement. Pourquoi c'est pas filmé. Pourquoi je le savais. Hein. Pourquoi on a ce problème de décalage de niveau d'équipement entre le premier et le second degré. D'abord pour l'échelle. Et effectivement, quand on est une région, il n'y a pas que la question des moyens financiers. Il y a la question de la structure, ce que vous disiez. Le fait d'avoir une DSI, qui soit structurée autour de l'éducatif, parce que c'est pas le tout d'avoir une DSI. On est bien d'accord, on connaît ces problèmes-là. Dans des mairies, on n'a pas souvent ce niveau d'expertise-là. Ce qui me fait penser d'ailleurs que l'équipement numérique ne devrait pas être géré, même si les écoles doivent continuer à être gérées par les mairies, ne devrait pas être géré à une échelle communale. On le voit sur la métropole de Lyon, on a 59 communes avec Lyon qui a 500 000 habitants et puis la commune de, je ne vais pas la citer, mais bon, une des communes plus rurales où ils ont à peine des sets de services techniques, quoi. Donc ça, on doit pouvoir vraiment le mutualiser. Mais il y a aussi un problème dans le système scolaire français, c'est la priorité au second degré et dans le second degré au lycée par rapport au premier degré. Et ce qui fait qu'on s'est battu, je m'en rappelle bien, quand il y a eu le plan numérique sur l'éducation, sur le fait qu'on axait trop sur les collèges et pas suffisamment sur le premier degré. Je pense que c'était une erreur parce que dans le premier degré, il y avait des très fortes attentes. Il y en avait aussi au collège, mais comme dans le même temps, il y avait la réforme du collège, tout s'est un peu percuté. Mais néanmoins, malgré cela, il y a eu quand même une vraie poussée dans le premier degré, là je pense aux tablettes hein, spécifiquement, parce que quand on équipait le collège REP, on pouvait équiper les écoles autour. Pas que REP d'ailleurs, mais essentiellement, parce qu'il y avait une vraie aide. Et qu'est-ce que ça a fait ? Ça a fait que j'ai des élus qui n'étaient pas forcément sensibilisés, eh bien ils se sont dit, tiens, là il y a un financement de l'État. La question du financement lui-même n'était pas toute la clé, parce qu'on est quand même sur des quelques milliers d'euros, c'est beaucoup, mais ce qui est le plus compliqué en fait, c'est les réseaux, et c'est surtout l'entretien, la maintenance qui va être compliquée derrière. C'est pas tellement le fait... Et quand l'État impulse quelque chose derrière, on voit que ça a vraiment de l'effet. Simplement, il faut qu'on ait une stratégie politique éducative qui soit... Enfin, du numérique éducatif qui soit un peu... Je demande pas de la continuité totale. On sait bien, justement, les problèmes des alternances. Mais c'est vrai qu'on est passé d'un plan numérique avec un équipement massif, et je pense d'ailleurs trop parfois, et insuffisamment évalué, avec aussi quelque chose d'un peu symbolique, c'est la tablette remise à l'élève, bon finalement on en a fait très peu d'ailleurs de tablettes individuelles, à une politique où il n'y en a plus quoi, vraiment de politique. Alors elle est en train de se reconstituer, de se remettre en place, on est d'accord, mais les messages sur le téléphone portable, alors qu'on veut dire dans le même temps qu'il faut travailler sur le BIOD, c'est vrai qu'on voit bien qu'on est dans des points de tension sur lesquels je pense les collectivités auraient leur mot à dire, et pas simplement le ministre de l'Éducation nationale tout seul, et je respecte tout à fait ce qu'il dit. Je trouve que c'est intéressant de poser la question de la place du portable dans l'école, mais à ce moment-là on le pose dans les deux sens et pas que dans un sens négatif. Et donc sur la robotique, qui est le sujet qui nous préoccupe ces deux journées, il faut qu'on sache un peu quand même où on a envie d'aller les uns les autres, parce que sinon, qu'est-ce qui se passera ? Ça sera comme pour les tablettes, ça sera, vous êtes allé sur le salon Educatis, vous avez vu moi j'ai plein de nouveaux amis, hein, et donc si parfois on se coordonne pas bien avec les services académiques, en l'occurrence on s'est plutôt très bien coordonné ces dernières années, il y a un problème de parfois choisir des technologies qu'on va être les seuls à choisir, c'est pas non plus bien que tout le monde s'équipe
pas avec la même chose, mais au moins qu'on se coordonne. On ne va pas être d'accord forcément sur la formation. Et on a vu d'ailleurs que quand ça marchait bien, et ça a souvent bien marché, c'est parce que la formation arrivait pile au bon moment. Mais on voit bien que si on ne se coordonne pas à un mois ou deux, on peut tomber à côté. Et puis, parce qu'il faut repenser, évidemment, toute l'architecture. Enfin, le projet Archiclass, moi, je trouve qu'il est passionnant. Autour des CP dédoublés, je pense qu'on pourrait faire des choses extrêmement intéressantes. Autour des maternelles aussi. Et là-dessus, il faut qu'on soit ensemble dans une gouvernance qui ait des leviers financiers, mais qu'on soit aussi capable d'aller détecter, ça a été dit tout à l'heure, hein, les enseignants qui sont allés acheter leur matériel, ont fait des choses. Enfin, je sais pas si, moi, j'ai passé un petit moment là tout à l'heure sur la présentation qui était faite par les élèves des collèges Colette, Longchambon et... Et Gérard Philippe, tout à fait. C'est remarquable. Je veux dire, j'étais en charge du numérique éducatif à la métropole de Lyon entre 2015 et 2017. J'avais jamais entendu parler de leur expérience à eux. Alors c'est sans doute un défaut de ma part, mais c'est pas complètement normal non plus, quoi. Comment, avec des enseignants aussi motivés, qui arrivent à se mettre en réseau, en association, qui arrivent à faire des choses à des élèves, voilà. C'est pas, je veux dire, j'ai pris cet exemple-là, c'est pas pour le cibler en particulier. On sait bien que dans l'éducation nationale, il y a plein d'enseignants innovants partout qui sont isolés. Mais comment on fait en sorte qu'on aide un minimum, et avec parfois des moyens qui ne sont pas si importants que ça. On peut faire des choses, des expérimentations. Je pense à celle qu'on avait menée avec l'ENS, avec les Raspberry, là, les mesures de pollution. C'est des outils qui coûtent quasiment rien. Donc comment on travaille vraiment ensemble, la réflexion, et on s'appuie sur les enseignants innovants. Parce que si on attend de déployer dans un établissement que tous les enseignants soient d'accord, on est bien d'accord que ça ne sert à rien. Et en plus, en matière de robotique, l'intérêt, c'est qu'on a un outil qui est tellement intéressant dans ce qui permet d'usage nouveau, qu'on n'a pas besoin forcément de l'imposer à tout le monde. On peut travailler par étapes, quoi, voilà. Mais à condition qu'on arrive à se voir et qu'on arrive à échanger entre collectivités aussi. Mais ça peut se faire que si on nous aide à nous réunir. Nous, on se réunit en association, on partage. Mais voilà, je pense que je l'ai dit suffisamment de fois, donc ça a été bien entendu. Très bien. On a entendu beaucoup de mots intéressants qui peuvent constituer autant de leviers. Co-construction, gouvernance, évaluation, priorité, ou en tout cas ne pas oublier le premier degré, réfléchir en chaîne éducative globale. Peut-être le mot de la fin à Claudio pour laisser aussi un temps de parole à Bruno de Vauchel qui nous donnera son regard de grand témoin et pourra peut-être aussi sur ces questions d'amplification, de passage à l'échelle, nous donner des compléments de suggestions. Je ne sais pas si je vais répondre à tout, mais je vais essayer d'amener peut-être quelques éléments de réponse et puis aussi des éléments d'expérience qui sont quelquefois personnels, quelquefois partagés. Donc déjà, dans un premier temps, donc on est parti sur l'histoire. Faut-il en fait des objets connectés ou des robots, ou etc. Dans la décision que nous avions prise lorsqu'on a lancé le groupe thématique numérique 1, qui s'appelle Océan, que tu as le privilège de coordonner, voilà, on parlait bien d'objets connectés. Parce que, connectés ou pas, mais d'objets, d'accord, plutôt connectés, parce qu'il nous semblait qu'à un moment, la question, c'était celle de l'ensemble des objets, et pas uniquement la question des robots. Voilà. Et dans les objets, effectivement, il y a les robots, okay, mais il y a aussi tous les autres objets qui ont été évoqués. Il peut y avoir aussi des objets qui sont des objets individuels. Par exemple, une montre connectée, aujourd'hui, ça fait partie des objets connectés. Ce n'est pas un téléphone. D'ailleurs, ceux qui ont lu le texte ont bien vu qu'il s'agit de l'ensemble des équipements qui sont connectés et que donc l'ensemble des équipements qui sont connectés, pour pouvoir être utilisés, doivent faire l'objet d'un projet pédagogique. Et ce que je veux dire, c'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être pas plus mal parce que, quelque part, ça nécessite de réfléchir au niveau de l'école ou de l'établissement, pas simplement sur l'usage, mais sur la place du numérique dans l'activité éducative et pédagogique. Et donc, il y a une dimension qui est la dimension éducative, qu'on oublie souvent, parce que la dimension éducative, elle est souvent évacuée avec, on va dire, la charte d'utilisation dans l'établissement, ou voilà, le truc que les parents signent sans toujours le lire, qui est collé quelque part dans le cahier de correspondance. Et puis, c'est réglé. Non, c'est pas réglé.
c'est une première étape, en fait, souvent, qui n'est pas négociée ou qui n'est pas discutée suffisamment avec les parents. Donc, cette année, moi, j'ai eu la chance de faire la rentrée d'une de mes filles qui rentre en sixième. Et donc, j'ai bien vu, voilà, je ne citerai pas l'établissement, ok, je disais, l'histoire du portable ou l'histoire, c'est réglé, c'est interdit, voilà. J'ai envie de dire, j'espère qu'on se pose plus de questions que ça sur l'utilisation du numérique à l'école. Voilà. Et donc ça, c'est déjà un premier point. C'est-à-dire, comme ça va passer au conseil d'administration, pour modifier, en fait, c'est un élément de modification du règlement intérieur, ça amènera des éléments qui vont être négociés et discutés. Donc on voit bien que l'histoire aujourd'hui du numérique à l'école, des objets qui vont permettre et qui seront des objets connectés, ce numérique à l'école, c'est quelque chose qui doit faire partie d'une négociation, d'un échange, qui entraîne l'équipe complète de l'établissement avec le chef d'établissement, les équipes pédagogiques et éducatives et les parents d'élèves et les collectivités qui participent. D'accord ? Donc je parlerai d'objets. Okay. Et l'objectif de ce groupe thématique, c'est de travailler sur l'ensemble des objets. Et donc, pas uniquement sur ceux qui arrivent en évidence, qui sont ceux dont on parle la plupart du temps. Mais il y a, par exemple, deux, trois types d'objets qui sont là. Vous avez dans les sections industrielles des robots, qui sont des robots aujourd'hui, qui sont des facilitateurs de l'activité industrielle, qui sont des facilitateurs de l'activité professionnelle, qui sont dans les lycées ou qui vont arriver dans les lycées et sur lequel, en fait, eh ben, il faut regarder, voilà, parce que quelque part, c'est des choses qui vont préparer à de nouveaux métiers, qui vont participer à la transformation des métiers, d'accord. Il y a, bien évidemment, tous les robots immatériels, les fameux bots qui ne sont pas forcément toujours associés à l'intelligence artificielle qui arrivent, qui sont aussi des outils d'étayage qui posent plein de problèmes, ou plein de questions, hein, qui peuvent être de l'incidence de la préconisation faite par un robot par rapport à la décision de l'homme. Okay. Et il y a aussi l'arrivée de tous les dispositifs intelligents dont les robots vont faire partie et avec la capacité qu'ils vont avoir d'individualisation de la réponse, voire de anticipation par profilage des réponses qui pourraient être apportées en fonction des besoins qui seraient exprimés. Et on peut parfaitement l'imaginer sur des points de vue éducatifs. Donc, on voit bien que cette question, c'est une question globale et que c'est une question également d'acculturation. Donc, je reviendrai sur le premier degré en disant deux choses. Premièrement, il y a en fait un appel à projet qui doit s'appeler ENIR, qui s'appelle en fait, qui s'adresse aux écoles primaires rurales, d'accord, et qui est en cours, qui est un apport, hein, qui doit aider justement à sensibiliser tout ce qui se passe au niveau rural, et non seulement sensibiliser, mais apporter des projets qui permettraient de développer le numérique, voilà, je vois le collègue Dan qui acquiesce, au niveau des écoles rurales. Mais il risque d'y avoir aussi des travaux sur des appels à projets qui vont aller peut-être hein, vers le BIOD, voilà, il faut voir comment est-ce qu'ils vont se positionner, et qui permettraient de porter de l'impulsion. Donc, après, on voit bien que dans la généralisation, c'est une question qui a été évoquée hein, par vous tous quasiment, qui est une question un petit peu globale de portage de projet qui va... alors, il y a la gouvernance, mais la gouvernance permet de porter le projet. Et c'est pour ça que la DNE a mis en place ce comité des partenaires qui associe les associations de collectivités locales au travail qu'on fait en amont quand on commence à travailler sur des plans, quand on commence à travailler sur des idées un petit peu nouvelles d'évolution du numérique éducatif, okay, en disant la question qui se pose, c'est comment on met en place quelque chose de global dans lequel il y a une part qui est effectivement le financement, de l'autre côté où il y a en fait des informations à porter et une acculturation à faire, et enfin un accompagnement et des moyens de formation qui doivent en fait aller ensemble. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas toujours de linéarité. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on fait le meilleur plan de formation qu'on aura les meilleurs résultats si on oublie l'aspect acculturation et presque marketing et presque gestion de projet de cet ensemble. Donc ça veut dire que l'ensemble de ces projets doit être monté avec une optique double qui est, un, tout l'aspect accompagnement et conduite du changement.
Voilà. Donc, on parle aujourd'hui de la transformation numérique. C'est essentiellement ça. Voilà. Peut-être que le deuxième point, c'est une certaine efficience et augmentation de l'expérience usagée. C'est-à-dire que la question aujourd'hui qui peut se poser aussi dans tout ce qu'on utilise dans le système d'information globale qui est lié à l'éducation et à la pédagogie, c'est la facilité d'usage qu'il peut y avoir. Voilà. Et enfin, on est aujourd'hui sur un domaine qui est extrêmement vaste, hein, qui impacte l'ensemble de la société et où la société attend aussi que, quelque part, eh bien, cet outil, qui n'est pas qu'un outil, qui est un élément de transformation, participe à la transformation de l'école. Hein, donc, on voit bien que pour passer à le cap de l'échelle, il y a la question de la culturation et il y a la question de la conduite du projet et de la transformation. Très bien, merci.